bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un mois, un pays dans lequel vous allez pouvoir découvrir le Mexique. Allez, vamos! Le Mexique se trouve au sud des États-Unis. Il est bordé par l'océan Pacifique Nord et le golfe du Mexique, forcément. Ceux qui vivent au Mexique sont appelés les Mexicains, qui, entre eux, parlent l'espagnol. L'espagnol, c'est une langue assez musicale, certains réduisant la langue à une simple adaptation des mots français en rajoutant des A ou des O à la fin. C'est le cas pour certains mots, mais la quasi-totalité des mots espagnols ne se construisent pas comme ça, tout de même. Néanmoins, beaucoup d'entre eux sont assez transparents pour nous, mais attention toutefois aux faux amis. Cette langue est parlée au Mexique, mais aussi en Espagne, bien évidemment, en Argentine, à Cuba, au Pérou ou encore au Venezuela, par exemple. Le drapeau du Mexique, eh bien, c'est celui-ci. Il est composé en fait de trois couleurs. Avant 1857, le vert symbolisait l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne, le blanc symbolisait la religion et le rouge représentait l'union entre les Européens et les Américains. Mais depuis la constitution mexicaine de 1857, la signification a complètement changé. Le vert en fait représente maintenant l'espoir qu'un bon avenir soit réservé au peuple mexicain, le blanc représente la pureté des idéaux de la population et le rouge le sang des héros du pays. Donc rien à voir avec la signification précédente. L'emblème du milieu, lui, bah, il représente un aigle, un serpent ainsi qu'un cactus et d'autres petits symboles. Il semblerait que ces symboles justement représentent une fausse interprétation que les Espagnols ont fait d'un proverbe aztèque, mais ces informations ne sont pas tout à fait précises, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. La capitale du Mexique, eh bien, c'est Mexico, Mexico en espagnol. Avec environ 9 millions d'habitants en 2015, Mexico ne contient qu'un peu moins de 8% de la population totale mexicaine, ce qui n'est pas beaucoup finalement. Pour ce qui est de la monnaie, eh bien, c'est une monnaie dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, le peso mexicain. Un euro équivaut environ à 22 pesos mexicains. Pour ce qui est de la politique, là-bas, eh bien, le Mexique est gouverné grâce à une république présidentielle fédérale. Cela signifie assez simplement que le pays est séparé en différentes régions et que chacune d'entre elles en fait, possède sa propre autonomie grâce à son propre gouvernement. Néanmoins, le président du Mexique reste tout de même concerné par ce qui se passe dans tout le pays, forcément. Il s'appelle Enrique Peña Nieto et le voici sur sa photo présidentielle. Au niveau de la liberté de la presse, eh bien, le Mexique est placé à la 147e place, tout de même, sur 180 pays par Reporters sans frontières. Le pays étant souvent soumis au sujet des cartels de drogue et de la corruption politique, les journalistes mexicains ne doivent pas trop se rendre sur ces sujets dangereux où ils risquent bien de perdre la vie. Par rapport au Mexique, nous sommes, nous, Français, plutôt bien placés à la 39e place. Le trajet maintenant, eh bien, pour vous rendre au Mexique en avion depuis la France, prévoyez environ 11 heures pour parcourir 8800 km, donc ça va. En voiture, il vous faudrait déjà 102 heures, un peu plus de 4 jours, pour parcourir 9200 km, ce qui n'est pas invisible, mais il va falloir prévoir un bon budget essence. Et alors, donnée complètement folle, pour y aller à pied, il vous faudrait environ 2300 heures, soit un peu moins de 96 jours, ce qui, là, commence à devenir un petit peu compliqué. Pour le climat, le tropique du cancer traversant le pays, le Mexique est composé en deux zones climatiques, une zone avec un climat tempéré et l'autre avec un climat tropical. Les paysages maintenant. Eh bien oui, c'est très beau le Mexique, des beaux paysages de plage, de sable blanc avec de l'eau turquoise. Quand on se rend à Tulum par exemple, on peut voir ces beaux paysages grâce à la mer des Caraïbes qui nous offre cet époustouflant décor, et oui. Tulum est un site archéologique d'une ancienne cité maya, renfermant différentes ruines à voir absolument. Mais le Mexique est assez vaste et vous pouvez aussi y trouver des paysages plutôt désertiques, comme au Nouveau-Mexique. Ou bien encore des paysages urbains, comme à Mexico, Mexico. Allez, petit tour d'horizon des choses qu'il y a à voir au Mexique. Et bien tout d'abord, le Palais des Beaux-Arts et son superbe bâtiment, achevé en 1934. Il se trouve à Mexico. À voir absolument la Pyramide du Soleil, un édifice situé sur le site archéologique du Teotihuacan, je savais que j'allais me tromper, le château de Chapultepec, tout à fait, est également assez joli à voir et se trouve lui aussi dans la capitale. C'est aujourd'hui en fait un musée national d'histoire mais qui a servi de résidence pour le vice-roi mexicain puis de collège militaire, donc il a eu pas mal de fonctions. Dernier monument précis à voir, c'est le Palais National à Mexico, l'équivalent de notre Élysée français finalement, c'est le siège du gouvernement mexicain. Après bien sûr, il faut aussi aller admirer la mer des Caraïbes et les superbes plages du Mexique, avec des paysages magnifiques, et puis également différentes ruines et différents vestiges des anciennes civilisations, couronnés par une petite visite des zones désertiques pour clore votre séjour, ce qui vous fera déjà bien marcher si vous arrivez à tout faire. J'en doute. Au Mexique, il y a beaucoup de danseurs qui s'adonnent à une danse mexicaine fortement inspirée du flamenco espagnol.
Pour ce qui est de la religion, eh bien c'est assez simple, 80% des Mexicains se disent catholiques, et les autres se disent protestants ou sans religion. Touche gastronomique à présent avec les traditions culinaires des Mexicains. On a tout d'abord les tacos, des sortes de crêpes qu'on mange chaudes et garnies avec de la viande le plus souvent. Très connu également le guacamole, cette purée d'avocat, de piment et de tomates et de jus de citron, sans oublier la coriandre. D'apparence, ça n'a pas l'air très appétissant, je vous l'avoue, mais c'est plutôt bon. Tout dépend après de la dose de piment, car les Mexicains sont très friands des plats épicés. On a également les enchiladas, ce sont des tortillas de maïs avec du poulet qui peut être remplacé par du fromage ou bien encore une sorte de sauce contenant du piment et du cacao, un peu spécial. Au niveau des plats sucrés, on a le horchata, une boisson à base de riz et de cannelle. Et puis donc, contrairement à ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui, et à ce que vous pouvez vous peut-être aussi croire, non, le chili con carne n'est pas un plat traditionnel du Mexique. C'est en fait un plat qui mélange des produits d'origine mexicaine, mais aussi texane, qui a été inventé par... les États-Unis. Oui, vous n'y croyez pas non plus au début. Et bien voilà, c'est la fin de ce 9e numéro de Un mois, un pays. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve le mois prochain, au mois de décembre, donc, pour un nouveau numéro sur un pays dont je ne connais pas encore le nom. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. On se quitte sur l'hymne du Mexique et l'hymne national mexicano. Nos vemos el próximo mes. Adios y hasta pronto. Venez voter pour vos émissions, présentatrices, présentateurs, séries et journalistes favoris. Pour cela, rendez-vous en barre d'infos ou sur notre site internet infotv.fr.nf. Vous pourrez découvrir les résultats le 27 décembre prochain sur France 11 Radio. On compte sur vous.